Governor Salazar said changing weather patterns were to blame for the livestock behavior. He encouraged ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Puebla. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder bugs. But do keep all bets within the north between the hours of 10 and 3. Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Fredo, on se retrouve pour cette semaine de l'horreur. Aujourd'hui donc on se retrouve pour Outlast. Nous sommes le 17 septembre 2013, de je sais pas qui. Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite, il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff, Psychiatric Systems, à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment. Mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin. De la découverte de quelque chose qu'ils attendaient dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Allez. Not the kill! Ouais, mais c'est de toute beauté! C'est parti! Les objectifs sont mis à jour dans votre carnet qui contiennent aussi vos notes et les documents récupérés. Ok. Hein? Moi, je peux pas avancer. Ah merde! Sur RB. Ok. Mais on va regarder les pipides. Soyez intelligent. Regardez. L'asile de Mount Massive. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile de Mount Massive, discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971, rouvert par Murkoff Psychiatric Systems en 2009, sous couvert d'une œuvre caritative. Perte du réseau de téléphonie mobile à 1,5 km, plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. La Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité, mais jusqu'ici, jamais sur le territoire américain. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup. Peut-être de quoi les faire couler si l'article réussit à paraître. Ok. Oh, les grosses voitures! Eh merde. Oh.
mais c'est pas possible, tout est fermé là-dedans. Ah bah voilà, je cherchais le zoom tout à l'heure. Moi je suis pas là pour lâcher mes billes. Mais je suis malade. Oh putain, my god. Ouais, des documents, ouais. Alors, ok, le cas numéro 174, Billy. Statut de la thérapie, le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induits. Activité de moteur morphogénique, oula, à une échelle sans précédent. Poursuite du programme hormonal, niveau 4. Diagnostic, la spirométrie m'a révélé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides, non rapides, rire à l'état non rapide. Billy a demandé où en était le procès intenté par sa mère à Murkoff et à l'asile. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque. Malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants de Dr. Traeger. Remarque, le seul Traeger figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Traeger, est un cadre de MRD. Nous, chez nous, c'est MDR. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrique analytique. Murkoff, hein, on s'en fout. Ok. Pour voir les trucs. Ah, je crois qu'il a la chiasse. Oh merde. Oh merde. Je suis comme tout le monde ou je le sens pas là? Allez, ouvre-moi, pas ta pute. Allez, moi aussi j'ai envie de chier. On va regarder si on peut voir ici.
Non. J'ai pas 36 solutions là. Bien ce que t'as fait là. Alors si vous m'entendez pas trop parler, c'est juste qu'en fait, je suis... Tête de mort. Mais sauve-toi, reste pas planté là. Merde, ouvre-toi la porte. Mon Dieu! J'ai dit qu'il a une gastro. Mais non, il a chien bras. Qu'est-ce qu'on peut passer? Personne, d'accord. Ah, mon avis, on est à l'étage, ok. Fermé. Little fake. Oh, c'était quoi ça? And who are you? Pire cauchemar. Non, c'est pas des conneries. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Je n'aime pas lui. Oh putain de merde. De la tête, il a été déboyauté. Local de sécurité, c'est peut-être là. Non, c'est bloqué. C'est le local de sécurité, mon frère. Alors, je sais pas pourquoi, mais je descendrai pas par là, tu vois.
dessus un truc, vous voyez là. Ouais, une pile. Par contre, c'est dingue, les piles, comment elles s'usent vite, quoi. C'est là le local de sécurité. Ah d'accord. Oh, t'es pas beau mon frère. Oh merde. Pas sûr que c'était pas là. Dans le local de sécurité, ça m'a l'air d'être là. Oh merde. Ah, c'est pas ça que je veux. Je veux courir, s'il vous plaît, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Security room. Voilà. J'étais pas au bon endroit, c'est pas ce qu'il me semblait. Quand on dit que c'est pas bon la diarrhée, regardez, là on est mort. Là, j'imagine le mec, c'est avec la goutonnée, tu sais. Oh putain, carte codée. Okay.
Je suis à l'intérieur, il y a des corps partout, du sang, des traces, de brûlures, des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir, des scientifiques de Murkoff pendus au plafond sur leur badge, on peut lire Murkoff système de recherche avancée. Murkoff a l'habitude de tirer profit des prétendues actions caritatives. Ça ne date pas d'hier, des meilleurs arrangés au détriment du tiers-monde, mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du blé avec un bâtiment rempli de dingues? Il y a une espèce de vigile empalé comme un cochon sur une proche. Avant de crever, il me dit de foutre le camp, si seulement il m'avait dit quand je pouvais encore revenir sans mes pas. Je cherche une clé, s'il vous plaît. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. For some people, but we didn't choose this! Ah, ça aime pas. Entrez par là. Non, c'est fermé. Je peux vraiment pas y rentrer. Putain, fais chier, j'ai pas de carte. Zen inventaire, c'était quoi, c'est ça? Je déteste cette musique. Bonjour messieurs, quelqu'un a-t-il une carte s'il vous plaît? Je crois que vous avez perdu vos boyaux. Il y a une pite, je m'ai fait venir là, tiens. Je vais fermer la porte. Tu as peut-être une carte, toi, non? Pas que c'est là où je pense parce que. Ouais, attendez, on va descendre. Electric Room. Bah, c'était du ouf. Shit, c'est fermé. En plus. Tu as pas une carte de sécurité toi des fois, non? Bon bah, dors bien là. Toi non plus je suppose. Bonjour monsieur. Vous êtes pauvre, vous n'avez aucune carte de sécurité monsieur, dis donc. Rien. Est-ce que je vais avoir vraiment le choix? Je ne suis pas sûr. Ah, si vous avez trouvé une pile. Alors lui il m'a pas attaqué. Mais alors les autres, c'est ça le problème, c'est j'ai peur si je rentre. Mais il m'attaque pas. Les gars?
Monsieur, vous allez vous faire mal aux yeux à regarder comme ça. Oh, tu es mort, toi. Quoi ? Je suis Marie-Joseph. Là. Par contre, je suis en train de regarder le temps. On va se laisser là pour aujourd'hui, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous avez décidé, vous avez encore fait. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine.